Ibiza est déjà dépassé. Le nouveau lieu qui fait parler de lui se nomme Croatie. Après des décennies de régime communiste et des années de guerre civile, le pays joue la carte du tourisme international. Quelques pionniers ont vite compris les nouveaux attraits de cet Eldorado. À Poreč, au nord du pays, Murat Atik, propriétaire de deux clubs à Paris, et son associé croate ont ouvert le Biblos. C'est la plus grosse boîte de Croatie, elle ne manque pas d'atouts. Trois ans, vous voulez qu'on dise, comme on dit, je vais à Ibiza ou je vais à Saint-Tropez, je vais à Poreč. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer parce que c'est un site magnifique. Regardez cette verdure et puis la mer. Cette mer, elle est magnifique. Il n'y a pas de pollution. On peut sortir en bateau. On peut visiter des îles. Et le soir, faire la fête. Ça, c'est bon. À Ibiza, au Pacha, au Space et tout ça, où les entrées, ils arrivent à 60 euros. Ouais. Chez vous, c'est combien? Entre 15 et 20 euros. C'est vrai, c'est 4 fois moins cher que les grands clubs d'Ibiza. Entrée dans la discothèque, le duo a vu très grand. Boîte à ciel ouvert, avec une piste de danse qui peut accueillir à peu près 1000 personnes quand même fermées. Et les bars aussi sont protégés. Donc même en cas de pluie, il y a 2000 personnes quand même qui sont à peu près à l'abri aussi. Mais ici, en été, les averses, ça dure 5 minutes. Et puis quand vous avez un bon DJ, averse ou pas averse, une fois qu'ils sont partis... Ils sont partis quoi. C'est indiscret de vous demander à quel niveau d'investissement pour un établissement comme ça on doit aller. Un prix, c'est autour de presque. Allez, en tout, ça dépassera 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Ouais. L'établissement promet d'être l'un des plus vastes d'Europe. Plus de 7000 personnes s'y retrouveront tous les soirs. Alors, on a un bar de 30 mètres de long. C'est-à-dire que le mec, s'il le fait à peu près 100 fois, il fait 3 bandes dans la soirée. Quoi. C'est du quartz noir hein, qui brille, qui attire les jolies filles. Venez au Biblos. C'est pour ça, c'est quand même luxueux. Ah, c'est luxueux. Puis c'est des matériaux qui vieillissent pas tout de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a investi quand même pour du moyen terme. Exactement. Le plus gros investissement a été fait près des pistes de danse pour accueillir les plus grands DJ du monde, matériel très sophistiqué. C'est là où vous voulez faire venir les plus grands là. Ah, les plus grands, ils jouent là. Voilà. Parmi les 4 millions d'euros que vous avez dépensés ici, l'installation son et lumière, elle a coûté combien? Plus d'un million. C'est un quart. Hein. Un quart. Le son et lumière, plus, c'est un plus, quart. Plus. On n'a pas les grands DJ sans ça. Ils viennent pas. Quelques jours plus tard, le français David Guetta, la star des DJ, est aux manettes. Il remplit l'établissement, la foule compacte des jeunes touristes est à ses pieds pour danser jusqu'au bout de la nuit. Cité par les boîtes du monde entier, c'est la première année que David Guetta inscrit la Croatie à son programme. Le DJ doit jouer plus de 2 heures. Tout son public n'est pas encore entré dans la boîte. À plus de 2h du matin, ils sont encore des centaines à faire la queue, à 20 euros le ticket. La jeunesse de toute l'Europe s'est donné rendez-vous à Poreč pour y passer la nuit. Ah, y a des...
des Slovènes, des Italiens, des Autrichiens, des Allemands, des Croates, des Français. Donc c'est un melting pot de jeunes, d'âge moyen est de 20 ans, 25 ans. Donc à cet âge-là, on part en vacances en général, on est étudiant, on a un ticket moyen de pourvoir ce genre de DJ de 15-20 euros. On est loin des critères sévères de sélection appliqués à Miami. Les gens ils sont en vacances, il faut juste faire attention qu'ils ne sont pas bourrés, qu'ils sont habillés correctement, qu'ils sont pas venus faire de scandale et tout ça, mais ça se voit tout de suite et il n'y a pas grand souci. 4 heures du matin, 7 à 8 000 personnes dansent encore au rythme de la musique électro. Les jolies filles viennent décorer le carré VIP. Les jeunes fêtards ont très soif. Ça tombe bien pour les patrons du club, car il faut vendre beaucoup d'alcool pour payer les DJ vedettes qui viennent jouer en discothèque. Sur 75 jours d'ouverture, il y a pratiquement 25 grands DJ. Et tous les soirs, vous payez combien ? Ça dépend du DJ. Alors, la fourchette, c'est quoi ? Entre celui le plus abordable et puis celui... 1000 et 40 000. 1000 et 40 000 ? Oui. Pour vous, c'est un énorme investissement quand vous m'annoncez une programmation de 40 DJ. Surtout sur quand il faut les booker 6 mois avant et qu'on n'est pas ouvert, par exemple. Booker, ça veut dire avancer 50% déjà. 50%.